Est-ce qu'on va refaire comme le Resident Evil 4 et reprendre un nouveau épisode en fin de chapitre ou pas? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, salut tout le monde, je suis Nala, c'est Linique. Et on se retrouve pour un quatrième épisode de Resident Evil. Allez, viens par ici. Non. Si. Hop. Et d'ailleurs, c'est aujourd'hui, je crois que c'est le 26, donc j'espère que vous avez tous passé un bon réveillon. Oh, ça brûle bien. Oh my god. Oui. Non, c'est bon. Le réveillon, c'est le 24, je crois, je sais plus. 24. Ok, bah oubliez ce que je viens de dire. Ça fait beaucoup de piaf, j'aime pas ça. J'entends quelqu'un. Oh merde. Oh bordel. Fallait esquiver. J'ai pas vu qu'il y a un cul de... Le con, ça veut, il a même pas réfléchi. En mode... Ah non, moi j'ai appris que les QTE, il faut y être vigilant grâce au précédent. C'est pas grave. Ouais, mais moi j'ai commencé par celui-là, donc j'ai oublié. Les penseurs de ce truc, elle me dit, ah mais là Zico, tu peux l'air de faire. Eh ben, mon cerveau il était le pas là, motard ça fait... avec la chaîne droit dans la mâchoire. Allez, deuxième chance. Ah, mais moi j'étais pas prête hein. Bah eh bien sois prête. Car le motard arrive pour se venger de ta résurrection. Bah oui, je vois ça. Oui mais je disais moi et pas toi. Parce que moi j'ai réussi mon QTE. Ah, c'est peut-être pour ça. Hein. Je pense que c'est pas sur le, tous les deux le QTE. Bon, j'admets, j'ai un petit peu paniqué à retrouver ma touche, mais j'ai réussi mon QTE. Oui! Oui, marqué le coup. Ah, t'avais pas réussi parce que moi je pouvais pas de QTE en fait. Ah, ok, donc c'était moi, d'accord, bah c'est pas grave. Donc c'était bien toi qui le fais un QTE, moi j'avais rien sur mon écran. Non, j'ai appuyé sur un peu trop de trucs. Ah effectivement, c'est chacun son. T'as vu, il avait marqué moi. Ah de son ouais, ouais, j'ai vu, j'ai vu. Et merde, ils sont deux. On n'avait pas même véhicule, justement. 3, 4. 18. Ah, ces gangs de motards. Non mais franchement. Tous les mêmes. Tous à faire les kékés avec leurs bécanes. Ah, des... Qu'avoir, toi. Attends, ah c'est quel bouton? Mais non, j'avais appuyé sur un. Fallait peut-être appuyer sur les deux en même temps. C'est pas grave, on va y arriver. En même temps, faut appuyer sur les deux en même temps, oui. Et ça, le truc. C'est pas grave, c'est la même chose que dans le 4, ça va être l'enfer. Parce que forcément, j'ai pas les bonnes touches. Voilà, tu vois. Bon, en même temps, j'ai un clavier Beppo. Ça n'aide pas du tout. Utilise un clavier manette. C'est bien. Non. Beppo, c'est très bien. Manette, c'est très bien aussi. Non, Beppo, c'est très bien. Je sais pas écrire à la manette. Avec un clavier Beppo, je sais écrire. Crois. Cette fois, je suis prête. T'es prête à te reprendre un coup de chaîne? Oui, non, je te plaque au sol. Comme tu veux. Je te plaque au sol. Comme ça. Voilà. Ah. Oh, c'est pas tout le temps le même bouton. Ah bah non. J'ai faire avoir. C'est un QTE, voyons, il faut. Ah bah, t'as les QTE, c'est tout le temps le même bouton. Oui, moi, j'ai pour mon premier, j'ai toujours une même. Là c'est pas le cas. Ah non, voilà. Laisse-le, moi c'est pas le même. Oui, de temps en temps c'est le même, des fois c'est pas le même. Ça dépend de l'action en fait. Le son est fort. Ah, ça c'est à toi de régler de ton côté. D'habitude le son est pas aussi fort en fait. Genre c'est là, le son est fort là. Hat. Merci, je sais pas qui. Ouah.
Blister Black, on va l'appeler. Wouah! T'as vu, c'est comme ça qu'on utilise un sniper. Merde. Allez, maintenant je vais devoir faire la même chose en action. D'accord? Allez, je vais faire, regarde. Non, ah mais, non, non mais. Ah! On dit merci. Ouh! Il était tellement focus sur nous qu'on avait rien à foutre des autres, JPP. Fin de chapitre? Fin de chapitre? Non, pas fin de chapitre! C'est bien, on n'a pas les mêmes réflexes que pour le 4. Chris Redfield. Chris Redfield. Thanks, Josh. I owe you one. You guys know each other. I trained under Josh. He told me everything I know. Il devrait t'apprendre à mieux tirer que ça, hein. Now, Shiva, you must continue your search for Irvin. According to the data we retrieved from the hard drive, we believe he has moved on to the mining area. Eh bien, nous sommes déjà tenus informés. We will follow after taking care of business here. And keep your radio handy just in case. Thanks, Josh. Votre appui sera plus que nécessaire, je sens, vu vos capacités. Dès qu'il y a des motards en panique, donc oui. Flashback d'un Resident Evil que je n'ai pas fait parce qu'il n'est pas disponible sur PC, je crois. C'est lequel? Let's move out. Je ne sais plus. Je me demande si c'est pas un Umbrella. Ah bah si! Fin de chapitre, magnifique, on a toujours les bons réflexes. Tu vois? C'est bien! Oh, j'ai fait plus de victimes. J'ai fait plus de victimes. Et avec des armes de corps à corps, j'ai été plus précise. Je suis fier de moi. Bon! Shava, you know where the mines are? Past the station, not too far from here. D'accord, je t'en prie, passe devant. Attends, il y a un truc à lire là. Lire le document. Passe devant. Clagasse de type 2. Ah. Clagasse de type comme l'indiquent les documents précédents traitant du même sujet, les clagasses originelles. Originelles? Une clagasse? Ok. Furent découvertes dans les rues, dans une région reculée d'Europe. Après un délai d'incubation dans l'hôte, le parasite prend le contrôle du système nerveux central du sujet, asservissant celui-ci à un autre individu. Cette caractéristique des plagas permettait à leurs utilisateurs de créer des subordonnés serviles, obéissant sans condition. L'intérêt commercial du parasite fut vite trouvé et les plagas attirèrent l'attention de nombreux clients potentiels. Toutefois, la valeur commerciale des plagas était réduite en raison du délai entre la contamination initiale et l'asservissement de l'hôte. Le temps séparant l'introduction de l'œuf dans l'hôte et l'achèvement de sa maturation, qui se manifeste par la prise de contrôle de la personne contaminée, fut jugé comme un défaut majeur. Le délai de maturation des plagas est relativement court, mais les prospects souhaitaient des résultats encore plus rapides. Des recherches furent donc entreprises pour améliorer les plagas. Elles aboutirent à la création des plagas de type 2. Contrairement à la version précédente, la plagasse de type 2 est introduite une fois arrivée à maturité, ce qui permet une prise de contrôle quasi immédiate de l'hôte. Le parasite de type 2 pénètre par voie orale, plus précisément. Il est introduit de force dans la bouche de l'hôte. Cette méthode, bien que brutale, s'avère la plus efficace. Suite à l'introduction orale, le parasite de type 2 déchire l'œsophage de l'hôte et s'infiltre dans le bulbe rachidien, puis dans le cerveau et enfin dans la moelle épinière. Une fois le système nerveux central envahi, l'hôte peut être contrôlé. Wouah, ça devient vénère la colocation là! Waouh, il se passe des trucs en arrière-plan. Des tests en laboratoire ont révélé que le parasite de type 2 permettrait un contrôle de l'hôte dans les 10 secondes suivant son introduction. Hormis leur délai d'incubation réduit, la plaga de type 2 est en tout point similaire au parasite d'origine, ce qui en fait un produit à haute valeur commerciale. Tu te démerdes, je suis en train de lire! Reste à présent à rassembler les données de terrain dans le territoire autonome de Kijutsu. Les trois expériences suivantes permettent d'évaluer l'efficacité des plagas de type 2. 1. Contamination. Administrer les échantillons du parasite de type 2 à 10 individus, puis relever la vitesse de propagation. Les 10 sujets de test doivent recevoir assez d'échantillons pour que les résultats soient probants. 2. Contre. Observez comment le comportement primitif des hôtes provoqué par les plagas peut être canalisé. Cet aspect sera étudié pendant le cadre de l'opération d'élimination des agents BSAA déployés sur la zone. D'accord. 3. Combat. Rassemblez les données sur les hôtes des plagas sur les
de tireurs affrontant les agents du BSAA déployés sur la zone. Ça me rappelle rudement le 2 et le 3, ça. Cette expérience constituera la dernière phase d'évaluation des plagas de type 2. D'accord. Dane, j'ai l'impression qu'il s'est passé beaucoup de choses autour de moi pendant que je lisais. Mine de rien, c'était pas facile de garder son calme, hein. Toc. T'es passé où? T'es passé là-bas. Okay. Ça va, tu t'as l'air de bien t'en sortir, hein. Non, je m'en sors pas bien du tout. En panique totale depuis tout à l'heure. Là. T'es où? À terre! Mais où? Mitrailleuse! Ah, je déteste quand ils font ça dans les interviews. Quand ils font quoi? Ils mettent des chiens partout. Boum! Boum! Il en a eu rien à battre! Merde! Non, touchez le chien. Brave petit. Je recharge. Mais attends-moi si tu as peur des chiens, enfin. Je demande pour pas qu'ils puissent m'atteindre, en fait. Parce que tu crois qu'ils savent pas bondir? Oui. Tout à l'heure, ils arrivaient pas à monter. Bon. Aussi... Aïe! C'était pas un chien, ça. Non. Bon, moi, j'essaye d'avancer, histoire de découvrir... les potentiels de go. Mais c'est pas vrai. Utilise le fusil d'assaut à courte distance. Ah, regarde, ça marche bien. Oui, sauf que tu leur laisses l'occasion de foutre mille coups. Qu'est-ce que c'est? Munition de mitrailleuse ici. Come on! Et l'argent partout ici. En même temps, avec le carnage qu'on a fait, j'espère bien qu'il y a un peu d'argent. Bon, la grande question, c'est où est-ce qu'on doit aller? Qu'est-ce que t'as encore fait sauter? Un truc. T'as pas récupéré les munitions de mitrailleuse, tu sais. J'ai pas eu le temps, mais je fais taper dessus. Ah, t'es passé par au-dessus des chariots, c'est ça? J'ai eu un chariot et puis j'ai eu très mal. Non, j'essaye de te rejoindre, mais je crois qu'il faut monter. T'es resté sur le toit des wagons. C'est ça. Munitions de fusil! J'ai mal. Je vais pas remonter, moi, de toute façon, donc. Attends, mais j'essaye de trouver par où faut grimper. Je suis paumé au secours, je suis pas doué. Là, par ici, je suppose. Non. Là. Voilà. On y arrive. Voilà. Progresse tout doucement, petit à petit, voilà. On y est. Qu'est-ce que c'est? Or, grand. Je prends. J'arrive! Allez, let's go. Ah, c'est un ascenseur! Waouh, trop bien! Un ascenseur avec vous. Ah bah, il faut bien, hein. GPS indisponible. Comment ça, GPS indisponible? Ok, j'avance, tu me couvres. Il y a de l'herbe. Si tu veux que je ne t'éclaire pas, dis-le tout de suite. Hein. Combine tout de suite, ça te fera de la place. Qu'est-ce que tu veux? Allez, c'est encore le moment de se tremper.
Derrière toi! Non, ils sont pas les armées. Derrière toi! Moi, je tiens à la lumière, je peux rien faire. Balle, je ne peux pas faire grand chose. Ok, tiens, récupère la lampe dans ce cas. Ah, si je la pose, elle reste. Elle continue d'éclairer dans le sens où. Tu prends le projecteur? Deux. Et tu laisse-moi passer devant! Et éclaire là où je veux, où je vais. Voilà. Non mais. Te mets pas devant moi, je t'ai déjà dit! Il est où? Il est où? Là! Va, tire-toi. Munition de mitrailleuse. Tu prends la lampe ou je la prends? Grenade à main. Voilà, prends-la. Grenade incapacitante. Il y a plein de grenades ici si tu veux. Ah, plus d'un talent. J'en serais pas si sûr. Merde, de vers ça. Plus besoin de la lampe, hein, tu disais. J'ai plus besoin de dégâts plus que de la lampe. Allez les colocataires, vous rentrez. Munition de fusil. Ah tu vois, tu l'avais dit. Hop, voilà. C'est des munitions de pompe. Hein. Munition de fusil à pompe, ça c'est, je prends. Par là, t'as des tonneaux à casser. Tonneaux, munitions. Autre truc qui y a... Mais... Hop. Je sais pas, moi j'ai mis... J'ai aligné quelqu'un, je suis en train d'aligner quelqu'un, je suis en train de le rater bien comme il faut. Ben non, il est pas mort. Il est mort? Il est pas mort. Je vais éternuer. J'ai juste mis un petit coup, il a fait blaaaaaah. Oui bah je l'avais déjà bien descendu, les tonneaux. Tu me donnes mes non, munitions. Et toi aussi t'as des trucs à moi en plus. Non. Oui. D'où je les ai. Effectivement, excuse-moi. J'ai aucune idée d'où je les ai récupérés pour le coup. C'est pas non plus, mais qu'on avait. Peut-être par réflexe d'avant. On a plus besoin de talent. Oui, tu dis ça et 10 secondes après. Allez, passe. Regardez les filles. Ah, salaud. Tu peux pas passer, c'est ça? C'est surtout qu'il y a des gens qui m'ont tapé en fait. Ah, ils étaient derrière. Est-ce qu'il y a un truc seulement pour le coup se t'aider? Non, j'imagine, il faut que j'avance. Et ben avançons. Ah ben, ouais. C'est 100% une arène tout ça. 100% mauvais. Là. Hop.
Merde, si je fais ce que je vais. D'accord, ça fonctionne comme ça. Et bon. Oui, oui, je confirme, c'est bon, la porte est ouverte. Je continue de tourner, je continue de la monter, je continue de la monter, même s'il est déjà au maximum en haut. C'est bon? C'est bon. Non, c'est pas bon, on se fait attaquer. Ouais, mais t'es passé. Ouais, il tombe du plafond! Derrière toi, derrière toi! Ah merde, plus balle. Munition de fusil. Ah, qu'est-ce qui se passe? Merde. Ah d'accord. Ah bah d'accord. J'ai oublié de me réagir de ma vie. Ah bah d'accord. C'est pas grave. Oui, ouais, c'est des choses qui arrivent. Oui, bien sûr. Deuxième tentative. Allez, la revanche. Avant, reviens là, déjà. Ah, qu'est-ce que tu as? Ah bah t'es déjà de l'autre côté, d'accord. Ouais, ce que j'ai. Alors, reviens là. Reviens là. Reviens là. Ouais, déjà full. Tiens. Oui, moi j'ai mon inventaire était full aussi, effectivement. Bien. Messieurs, bla 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 bla. Ah, tu fais la tête, du coup, ça va prendre bien mon écran. Il est mort quand même. Il est mort quand même. Hop. Grenade. Merci. Qu'est-ce que tu gères? Détruit. Range ton. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi mon fusil à pompe qui fait des explosions? Non, c'est envoyé de la dynamite. C'est déjà un truc qui envoie de la dynamite. Non, mais c'était pile au moment où je tirais. Ça ah fait ouais, non, boum. Mais oui, ça envoie de la dynamite. Vraiment. Là. En vrai, le problème, c'est que tu touches la dynamite. Soit ça te fait l'exploser. Ah merde! 31, ouais. Ah, j'ai plus de munitions. Cours, on court, on court. Là, ils sont là. Bla 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 bla. T'es grimpé où? Ah bah là. Il y avait un escalier. Une échelle. Sauf que bien entendu, comme d'habitude, je ne l'avais point vu. Non, vous restez à terre. La merde. Restez à l'étage inférieur. Ça marche, là, je vais... Inférieur. Non, je parle aux 1000 pattes. Je vois qu'il y a un truc à faire. En fait. Oui, bah je suis en train de gérer les 1000 pattes qui sont... vont être chiants sinon. T'as besoin d'aide? Ah, mais d'où t'es derrière moi? Au secours, ça c'est problématique. Oula, ils sont montés. Descends. Je peux pas bouger en fait. Ah, je vais mourir. Mais... Ok, c'est bon. T'as du soin en main? Là oui, mais bouge pas. Tu bouges, voilà ce que je veux dire. Parfait. J'ai plus de sang du tout, moi, par contre. Oui, il m'en reste. C'est surtout que j'étais un petit... Et merde! Un petit peu dans la panique. Ok. Là. Merde, je recharge. Oui. Hatch! Ça fait mal, ça. Mais non, c'est dans la tête. Je grimpe. Je sais pas où t'es, mais moi je grimpe. Où est-ce que t'es là? Non, non, lâche ça, lâche. Je lâche. Ça, c'est ce qui m'avait permis de te faire rentrer en fait. Donc actuellement, ça ne sert plus à rien. Et toi? Voilà, notre objectif c'est d'avancer, et pas de revenir en arrière. Nice. D'ailleurs, attends, j'ai un demi-chien à toi. Ah merde, parti. Ça, tu redescends. Je suis juste à côté, hein. Ah.
Ah, c'est le moment d'aller faire du loot. Est-ce que je peux descendre? Non, je peux pas descendre. Je peux descendre ici. Oui. Je récupère l'or. Et vite. On récupère Zico. On le met dans notre sac à dos. Hop. Il part là. Est-ce qu'il y a des choses? Absolument pas. Si, il y a quelque chose. La grenade incapacitante. Je sens le pistolet. J'arrive. Peut-être. Je sais pas où t'es. J'ai pièce indisponible. Dean! Un jour, il faudrait que tu décides à m'attendre. T'as attendu? Oui, bien sûr. T'as rien passé, regarde. D'accord, je te crois. Attends, tu veux du soin de tête? Non, tu fous. Non, je parle à un objet de soin. Non, je suis fou. Les espièges aussi. Ah. Bus. Waouh. Ça brûle. Une dynamite. Le mec a envoyé une dynamite en fait. T'avais pas lancé une grenade? Recule-toi, 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 il va exploser ce con. Ah oui, là j'ai bien du soin du coup. C'est pas pour rien. Ramène-toi, rapproche. Hop, voilà. Toujours aller devant les... Bon. Tu vas sous la couverture au lance-roquettes, tu vas au corps à corps avec les gens qui manient la dynamite. Bah, c'est censé être les zéros, hein. C'est eux qui veulent pas nous. Les zéros? Oui. Personnellement, je préfère être une héroïne, moi, pas un zéro. C'est bien en tant que zéro. Quoi qu'il en soit, ça fait un bout de temps. Je pense qu'on va arrêter cet épisode juste ici. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye les gens!